Merci, monsieur le ministre. Merci, le professeur Harakat, d'être toujours présent et à nos côtés pour nos jeunes diplomates, mais aussi pour la jeunesse globale et panafricaine, qui aura des échos par la rediffusion de ce forum, par les réseaux sociaux, mais aussi par les audios qui, et les vidéos qui seront un peu envoyées. Donc, vous savez beaucoup plus que moi que l'Afrique a traversé les trois périodes diplomatiques, comme je le disais tout à l'heure à l'ouverture. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ça parce que vous êtes mieux outillés pour moi. Et, monsieur le ministre, à vous la parole. Messieurs et Madame les participants au forum, Messieurs les organisateurs, une spéciale salutation à l'Institut Mandela, puisque nous avons commémoré il y a 2 jours, disons, le jour de Mandela, le 60e anniversaire. Je vous parle de la ville de Ciudad Velha. Ciudad Velha est, disons, le plus grand marché d'esclaves, disons, peut-être pas connu, mais qui est patrimoine de l'humanité actuellement. C'est ici que s'est fait, disons, le plus grand commerce d'esclaves et qui a marqué un peu toute l'histoire de l'Afrique. Je suis là, justement, dans cette ville où je réside. J'ai préféré vous parler de mon expérience personnelle, peut-être plus simple, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai moi-même été un des acteurs très, très actif du soin de la décolonisation portugaise et de la création de l'État du Cap-Vert, mais aussi pour vous parler de ce qui est un peu méconnu, disons, sur le rôle du Cap-Vert et vous parler de ce qui a été une des plus belles pages de la diplomatie africaine qui a été écrite ici dans les années 70 au Cap-Vert et qui a entraîné la fin du régime de l'apartheid et les négociations au moins du régime d'apartheid et la libération de Nelson Mandela. C'est une page très peu connue, aussi parce que le Cap-Vert n'est pas aussi très connu, je vous dirais. Nous sommes à notre 4e transition d'ici 2 ou 3 mois, dans la plus grande normalité, sans qu'on en parle. Et c'est effectivement ce qu'il faudrait, c'est que nos démocraties, on ne doit pas en parler, ça doit être naturel. Donc, vous parlez un peu de ce que c'était le Cap-Vert en 1975, disons. D'abord, en fait, le contexte. En fait, le contexte post-indépendance en Afrique. Nous ne devons jamais oublier que nous étions en pleine guerre froide. En pleine guerre froide où on était avec ou vous étiez contre, disons, dépendant du côté où on est. Et donc, d'une contrainte très grande de nos diplomaties, disons, parce que on nous a mené une guerre qui n'était pas la nôtre. Et ce qui a effectivement entraîné la création, disons, même en Afrique, nous connaissons tous, disons, l'après-indépendance, disons, la création de 2 groupes. Le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, qui représentaient un peu, disons, cette guerre froide aussi. Ça, c'est un élément qu'il faut tenir compte quand on parle de la diplomatie africaine. Ce groupe de Casablanca, qui était représenté par les pays qu'on dirait aujourd'hui de gauche, bien on a de quelques difficultés. On se caractérise souvent par la gauche-droite par rapport aux Occidentaux, mais des pays comme l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, la Guinée, la Libye, le Mali et le Maroc, qui étaient des pays qui, en 1961, ont créé le groupe de Casablanca, avec évidemment des leaders mythiques que nous connaissons tous en Afrique et qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, le Gabal Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali, Ahmed Sékou Touré de la Guinée. Donc ça, c'est du côté
du groupe de Monrovia, disons, le reste des autres pays africains. Les deux groupes avaient une position commune en ce qui concerne le panafricanisme, c'est-à-dire la libération de l'Afrique. La libération de l'Afrique, si on regarde justement après la création de l'Organisation unitaire africaine en 1963, la plupart des pays africains étaient formellement indépendants, sauf les colonies portugaises et le régime de l'apartheid, grosso modo, disons. Et ce qui a marqué un petit peu justement les pères de l'indépendance, c'était cette vision de la libération complète de l'Afrique. Et ça, c'est un élément essentiel parce que toute l'Afrique était mobilisée autour de cette question de libérer le continent africain du colonialisme et de l'apartheid. Ça, c'est important à voir, disons, parce que si on regarde aujourd'hui notre diplomatie, je dirais qu'il manque un peu de focus pour l'Union africaine actuellement. On se bat sur plusieurs fronts à la fois, mais on se pose la question si, par exemple, le développement du continent africain, la lutte pour la réaffirmation de l'Afrique et de l'intégration de l'Afrique, est un des éléments et non pas un élément principal. Donc, il y a une différence en ce qui concerne le focus de l'action de la diplomatie. Et ça, c'est important de le dire parce que nous-mêmes, nous sommes, nous, je dirais, les anciennes colonies portugaises et même l'apartheid, nous sommes un peu le fruit, disons, de cette diplomatie africaine. Nous sommes le fruit du fait que des dirigeants comme Sékou Touré ont permis au PIGC de s'installer à Conakry et de faire la lutte en Guinée-Bissau à partir de Conakry, en donnant toute l'arrière-garde dont il avait besoin pour se libérer. Idem, disons, pour les autres pays d'Afrique australe, particulièrement en Angola et au Mozambique, qui ont connu, avec tous les pays voisins, un grand soutien pour l'indépendance. Je dirais même, j'ai moi-même donné des éléments, peut-être que l'histoire encore n'en parle pas, des dirigeants comme Houphouët Boigny, qui était connu être plutôt, disons, de la partie des pays, je dirais, néocoloniaux, disons, avec une grande influence de l'Occident, participait aussi au soutien, par exemple, au PIGC. J'ai moi-même porté des mallettes d'argent à Conakry pour le PIGC donné par le président Houphouët Boigny. Donc, c'est pour vous dire que l'action de libérer l'Afrique était un élément essentiel de tous les chefs d'État et de tous les pays africains. Et en 75, c'est justement pour les colonies portugaises la fin. Enfin, on a vu la chute du fascisme au Portugal et les indépendances de tous les pays lusophones d'Afrique dans des conditions extrêmement difficiles. Je parlerai des conditions du Cap-Vert. Les conditions du Cap-Vert, un PIB à l'époque, en 1975, de moins de $200 per capita, un taux d'analphabétisme de 60%, disons, pratiquement pas de lycée, pas d'infrastructure, rien, et pas d'argent. Une indépendance, disons, où quand on prend le pouvoir, on se dit, bon, comment je vais payer les salaires des fonctionnaires ce mois-ci. Ça, c'était une situation à laquelle, disons, nous sommes confrontés dès le début. Et sans recette, la seule recette qu'il y avait nous amenait à une grande dépendance vis-à-vis du régime de l'apartheid. Parce que le Cap-Vert était la seule escale des avions de la South African Airlines, donc le seul échappatoire pour le régime de l'apartheid, de quitter l'Afrique du Sud et sortir du monde. Tout le reste des autres pays africains avaient
créer un embargo sur la South African Airlines. Et nous voilà indépendants, disons, grâce à l'appui de tous les pays africains, et en phase de dire, bon, mais si nous coupons ce passage, nous terminons avec la seule source que nous avons de recettes. Et donc ça, c'était un grand problème que nous avons résolu par la discussion avec les autres pays africains au niveau de l'OUA. Nous avons beaucoup parlé, là, la diplomatie a agi, et nous avons été autorisés, je dirais autorisés, par l'Organisation de l'Unité africaine de maintenir donc les vols South African Airlines à cause de la situation du Cap-Vert. Et ça, c'est extrêmement important de voir, en fait, c'est une réelle politique, si vous voulez, mais en même temps, il y a solidarité des autres pays africains par rapport à un jeune État indépendant. Mais cette décision a eu des conséquences extraordinaires, disons, sur l'Afrique. Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est une phase dont peu se dit, peu s'est écrit, disons. Nous-mêmes, nous les Capverdiens, nous n'en parlons pas, parce que donc, pour différentes raisons, on était plus préoccupés par autre chose que parler de cela. Mais le fait que les Sud-Africains passaient au Cap-Vert dans une île où il n'y avait qu'un seul hôtel a amené petit à petit à des contacts avec le gouvernement raciste de l'Afrique du Sud. Contact avec nous, contact avec d'autres diplomates, contact avec les Cubains, parce qu'après les Cubains seront un des acteurs de la libération aussi de l'Angola, de l'attaque des Sud-Africains, et sur le fait d'être sur une seule île, un seul hôtel, les gens commençaient à se parler. Et petit à petit, les négociations se sont engagées entre les protagonistes de l'époque. Et c'est intéressant, c'est cette discussion qui a initié la libération de Mandela, parce que les Sud-Africains, bon, en privé, disaient, ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas de soutenabilité de leur régime. Le fait d'être en embargo sur le monde entier pratiquement et d'être complètement isolé diplomatiquement et politiquement du monde, ils ont commencé à réfléchir qu'il fallait peut-être trouver une solution. Et c'est dans ce cadre-là qu'apparaît, disons, les discussions sur l'idée de libérer Nelson Mandela. Et en même temps, une des questions qui s'est vite posée, disons, nous avions le cas de la Namibie et qu'il fallait aussi libérer. Et toutes ces discussions avec la SWAPO à l'époque se sont déroulées ici au Cap-Vert, avec aussi l'intermédiation des Américains qui venaient aussi ici au Cap-Vert, dans le plus grand secret, je dirais. Parce que cette diplomatie, quand on fait des négociations, l'une des grandes atouts de toute négociation, c'est le secret, c'est éviter que ça se passe dans l'espace public. Et tout cela a permis justement d'amener, après avoir complètement négocié, de la conférence du Caire, qui a formellement, disons, amené tous ces changements, disons, en Namibie, et aussi le retrait des troupes cubaines qui prêtaient main forte au MPLA, au gouvernement du MPLA en Angola, et qui aidaient, disons, à faire face à l'attaque des Sud-Africains avec l'UNITA contre Luanda. Les négociations se sont faites ici où les Cubains ont accepté dans le secret de ce pouvoir de sortir de l'Angola, disons dans le cas en contrepartie d'un retrait des troupes sud-africaines. Donc ça, c'est une page très importante de l'Afrique, disons la diplomatie africaine qui ne se connaît pas et qui a amené, disons, à un grand changement dans le plus grand secret vis-à-vis de la situation de l'Afrique australe en particulier, disons, à cause bon, d'un fait simplement de gens pouvant se rencontrer dans le secret, dans une île, dans un hôtel perdu, sans
journalistes de cette situation. Ça, c'est l'un des aspects, la dépendance du Cap-Vert vis-à-vis du régime de l'apartheid et la façon dont nous en sommes sortis de cette dépendance. L'autre aspect, c'est la dépendance par rapport à l'aide extérieure. Voilà, libre, mais sans moyens. Il nous fallait mettre l'accent sur l'aide extérieure pour que le Cap-Vert puisse survivre. Le Cap-Vert, avec l'idée d'un pays, communiste à l'époque, parce qu'on était socialiste à l'époque, on était l'un côté ou de l'autre, mais parce que l'Union soviétique a joué un rôle important pour la guerre de libération en Guinée-Bissau, a amené les gens, disons, non classifiés. Donc, il fallait casser un petit peu cette chose, disons, et donner des garanties, disons, à l'autre côté que le Cap-Vert ne sera jamais une base de quiconque, une base militaire de quiconque, ne prendra pas parti de la guerre froide. Donc toute notre diplomatie a été autour de ça, disons, pouvoir donner une autre image du Cap-Vert, ce qui est évidemment essentiel. Sur l'aide elle-même aussi, donc, cette grande dépendance est un problème. C'est un problème justement parce que la grande dépendance, il faut s'en libérer aussi, du moins du point de vue des positions que l'on puisse prendre sur le plan international. Ce n'est pas facile pour un petit pays, d'autant plus que les pays du bloc soviétique n'étaient pas connus pour être des grandes puissances en termes d'aide publique au développement, surtout si c'était une aide militaire, oui, mais dans l'aide au développement, ce n'était pas les meilleurs. Et donc, il fallait s'ouvrir à l'Occident pour pouvoir avoir une diplomatie qui nous permettrait justement de recevoir ces aides. Et nous avons mis en place toute une diplomatie, commençant par les pays nordiques, qui étaient ceux qui avaient appuyé aussi la lutte de libération en Guinée-Bissau, et créant avec justement le soutien de l'Organisation de l'État africaine et de tous les États africains, surtout au niveau des Nations Unies, tout pour amener, disons, à une aide massive vis-à-vis du Cap-Vert. Mais en même temps, au niveau interne, nous avons travaillé pour empêcher que cette aide amène, disons, une autre type de dépendance. Nous avons commencé très tôt à comprendre que nous pouvons obtenir beaucoup d'aide si nous sommes crédibles, si donc l'utilisation de l'aide doit être la meilleure façon faite pour ce qu'elle est développée. Vous donnez par exemple sur l'aide alimentaire. À l'époque, dans les années 70, l'aide alimentaire était distribuée. C'était la tradition internationale. Et nous sommes le premier pays à poser la question, moi je veux vendre l'aide alimentaire. Au début, une incompréhension totale, comment un pays qui a besoin d'aide alimentaire, il ne faut pas oublier que le Cap-Vert a passé toute son histoire avec des grandes famines, ça c'est des choses que les gens ne savent pas, mais nous avons eu des périodes de notre histoire où un tiers de nos populations a été décimée par la faim. Donc l'idée de la faim était un élément terrible pour les dirigeants capverdiens de l'époque. Il faut tout faire pour que nous ne mourrons pas de faim. Donc l'aide alimentaire, comment la vendre, disons, dans un pays qui en a tant besoin. Mais nous pensons que l'aide alimentaire telle qu'il était faite amenait plus à des corruptions que à des au développement. Ce que nous avons fait, nous avons créé une entreprise d'État de distribution des produits alimentaires de biens essentiels qui était chargée de faire la distribution sur tout le territoire. Nous sommes des îles, donc il faut l'envoyer sur tous les territoires. Et en même temps, l'idée est de vendre l'aide alimentaire à cette entreprise qui déposait l'argent dans un fonds que nous avons créé, le Fonds de développement national. Et ce Fonds de développement national finançait justement les projets
qui sont importants pour donner de l'emploi. Nous avons créé des projets de haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire faire les routes, qui est un élément aussi essentiel. Les gens savaient faire les routes. On n'avait pas besoin de technologie extérieure parce que nous utilisons des pierres. Disons, il y avait une grande capacité de nos gens à savoir faire des routes de pavés. Disons que ça, c'est une caractéristique ici du Cap-Vert. Mais en même temps, faire face à la grande sécheresse à laquelle nous étions confrontés. Nous n'oublions pas que le 75, l'indépendance du Cap-Vert, c'est la création du CILS, donc l'organisation qui s'occupait de la sécheresse. Et le Cap-Vert était vraiment le pays le plus touché par la sécheresse. Donc, nous avons établi des projets de défense et restauration des sols qui amenaient la construction de digues, la reforestation, s'occuper de notre environnement. Pensez-y, en 1970, on ne parlait pas d'environnement. Pour nous, on était clair qu'en plus de donner du travail, c'était nécessaire pour le Cap-Vert. Nous avons pu, justement, grâce à ce mécanisme, petit à petit, les gens ont vu que ça fonctionnait et on est arrivé à avoir beaucoup de soutien en aide alimentaire et autres, disons, de fois pour appuyer les projets, donc obtenir les projets, mais toujours dans une idée que nous savons ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'on nous impose, à cause de notre situation, on nous impose des projets. Et pour cela, on a eu aussi à faire un cadre institutionnel un peu spécial par rapport à d'autres. Nous avons créé le ministère, le secrétariat d'État à la coopération et au plan, pas dans le ministère des Affaires étrangères, mais au niveau du Premier ministre. Pourquoi cela? Disons, coopération et plan, parce que la coopération devait financer le développement. Et le plan, c'est le développement. Donc, c'est la première institution à laquelle j'ai été à l'époque, pendant, donc secrétaire d'État du plan et de la coopération, donc, qui nous a mené dans toutes nos négociations avec les bailleurs de fonds, d'aller les voir, d'être proactifs et leur dire « voilà ce que nous voulons ». Deux fois, il fallait négocier parce qu'eux, ils voulaient quelque chose. Nous connaissons les donateurs, qu'est-ce qu'ils font. Ils ont des idées déjà et ils savent ce qu'ils veulent. Et il faut, nous, on arrive en disant « voilà ce que nous voulons ». Et ça m'est arrivé plusieurs fois de leur dire « non, cette aide, je n'en veux pas parce que c'est contraire à notre politique, c'est contraire à ce que nous voulons dans notre plan. » Et nous, globalement, à cause de la crédibilité qu'on avait de bonne utilisation de l'aide en général, on arrivait à imposer nos points de vue. Donc, le Cap-Vert s'est développé d'un pays extrêmement dépendant de l'aide en général, à réussir à développer le pays. Aujourd'hui, on est passé quand même de 200 dollars à plus de presque 4000 dollars de PIB, disons. Nous avons, du point de vue de l'éducation, pratiquement 60 à 70% de notre population qui est le niveau de l'enseignement secondaire. Nous avons fini avec l'analphabétisme. Disons, on a quand même des résultats à présenter, ce qui fait que donc, notre projet est celui qui a réussi et grâce, et nous étions peut-être, je dirais, connaissant bien les méandres, disons, de l'aide publique au développement, nous sommes peut-être l'un des rares pays avec la Corée du Sud à pouvoir s'être développé sur la base de l'aide extérieure. Généralement, on a vu partout en Afrique que ça n'a pas marché. Donc, la question qui est pour nous, justement, c'est d'être capable, justement, de voir où sont nos intérêts et d'être créatif. D'être créatif, je prendrai le cas, par exemple, de notre relation avec la Finlande. Quand je suis allé voir les Finlandais, ils nous ont dit, bon, nous, on n'a pas d'excès de produits céréaliers qui constituent l'aide alimentaire en général. Je leur ai dit, OK, mais vous produisez du bois. Ils ont dit, oui, mais je reconstruis un pays, j'ai besoin de bois. Si vous m'envoyez du bois au lieu du maïs, ce serait aussi bien parce que je le transformerai en produits qui sont monétisés et de développement. C'est ainsi que, bon, on a reçu du bois de la Finlande, disons, pour le Cap-Vert. Donc, au niveau
du Luxembourg, par exemple, le Luxembourg était obligé d'avoir de l'aide, d'avoir un pourcentage d'aide pour les pays africains. C'était leur engagement dans le cadre de l'Union européenne. Ce que je leur ai dit, vous êtes un petit pays comme nous. Si vous focalisez, vous centralisez votre aide sur un pays, vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats et vos populations pourraient voir mieux vos résultats. Sinon, vous allez mettre dans tous les pays et il n'y aura pas de résultats parce que votre pays est petit. Ils ont accepté l'argument. Aujourd'hui, le Luxembourg est l'un des plus grands bailleurs de fonds du Cap-Vert et continue à nous donner de l'aide. En même temps, cette aide que nous avons petit à petit changée de projet à l'aide budgétaire, parce que nous avons remarqué que beaucoup de projets que nous avons dans le cadre de l'aide mettaient facilement entre l'identification et sa réalisation 5 ans. Et ça, parce qu'à cause de la bureaucratie de l'aide publique au développement. Nous avons été les premiers à introduire justement l'aide budgétaire et grâce aussi à la crédibilité que le Cap-Vert avait, on a fini par amener les pays à s'organiser pour, au lieu de nous financer des projets, de faire de l'aide alimentaire, nous réalisons les projets et nous leur présentons les résultats de ces projets, donc décidés par nous. Ça pose un des grands problèmes que la diplomatie en général et les jeunes diplomates doivent voir. Je dis ça, je vais donner cet exemple un petit peu pour que nous en tirons les leçons, non pas pour glorifier ce que nous avons fait, mais pour qu'on en tire les leçons. La leçon principale que je tire, c'est que le diplomate doit connaître son pays. On a un grand problème. Les gens ne connaissent pas leur pays. On a pratiquement un ministère des Affaires étrangères, nous avons une diplomatie qui se passe en dehors, disons, des réalités nationales. Or, c'est fondamental connaître son pays. C'est fondamental connaître les défis de son pays. C'est fondamental connaître les priorités. Parce que dans la diplomatie, les opportunités apparaissent. Des fois, on ne le sait même pas, mais je dirais que c'est pour ça. Quand on a une vision, c'est comme des lunettes. C'est une lunette qui nous permet de voir des opportunités qui passent devant nous tous les jours et qu'on ne voit pas. Donc, si on a une vision de ce qu'on veut, de ce que le pays a besoin, on peut justement tirer profit des opportunités qui existent. Et ça, c'est une question fondamentale pour la diplomatie, qu'elle connaisse les priorités du pays et qu'elle puisse identifier à la recherche toujours des opportunités pour pouvoir amener ce dont le pays a besoin. Et ça pose le problème de la formation des jeunes diplomates. Cette formation, très souvent, elle est académique, elle est faite au niveau donc des relations internationales. On étudie les grands traités, on étudie mais on leur donne pas la formation, disons, d'aller au ministère de l'Agriculture, aller voir quels sont les défis de l'agriculture de leur pays, qu'est-ce que le monde rural a réellement besoin, pour qu'ils soient porteurs aussi de ces problèmes, pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est ce qui nous manque très souvent. Moi, comme ministre des Affaires étrangères, j'ai commencé le processus qui était de dire à mes diplomates, allez faire un stage dans différents ministères. Allez-y. Et il est bon qu'on soit noté aussi sur notre capacité de pouvoir connaître ce qui se passe dans le pays. Qu'un diplomate qui connaît les problèmes de son pays, il est totalement différent des autres. Mais en même temps, c'est un diplomate qui connaît aussi les priorités du pays. Et là, ça pose le problème du propre pays. Si le pays n'est pas capable d'établir ses priorités, et c'est ce qu'on remarque le plus souvent, nous sommes très souvent la priorité des autres parce qu'il nous manque l'agenda national qui est fondamental. Nous disons que nous n'avons pas une propre agenda,
Nous serons toujours l'agenda des autres. Et c'est ce qui se passe très souvent. Les autres finissent par nous imposer leur agenda. Mais ils nous le font parce que nous n'avons pas d'agenda. Ce n'est pas leur faute. Eux, ils ont leur agenda. Donc, c'est à nous d'avoir notre propre agenda, y croire. Et donc, ce qui suppose justement qu'au niveau du pays, il existe une vision partagée de ce que le pays veut pour son peuple. Il faut avoir, disons, se faire respecter en même temps. Parce que la politique étrangère est la poursuite à l'étranger des intérêts de la politique nationale. Ça, c'est fondamental que les gens comprennent cela. C'est-à-dire, si au niveau de la politique nationale, il n'y a pas justement cette vision claire et partagée sur la connaissance et aussi notre stratégie globale, puisque nous sommes constamment exposés aux pressions directes ou indirectes des superpuissances. Ça, c'est la réalité. Et notre problème, c'est comment développer des capacités, des stratégies pour anticiper et gérer de manière créative les effets des agendas politico-diplomatiques plus ou moins cachés derrière la coopération, derrière les politiques extérieures, disons. Ça, c'est un élément, être stratège. Ça, c'est un élément que l'on doit apprendre, disons, dans la formation de nos diplomates. Connaître tant une stratégie, un agenda clair. Avoir aussi de l'information et la connaissance de la dynamique des relations internationales. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde digital. Il est possible d'avoir pas mal d'informations, mais on est face à un excès d'informations. Et il n'est pas facile de, si on ne connaît pas ce qu'on cherche, on aura du mal à trouver parce qu'on aura un excès d'informations qui ne nous permet pas de recueillir ce qui est essentiel. Or, la recherche de l'information et la connaissance est un élément essentiel, mais ça implique effectivement d'avoir une stratégie, de savoir où on va pour que l'on puisse le faire. L'autre aspect, c'est le leadership, le besoin d'un leadership. Comme tout système, il faut un leader. Au niveau de l'État, disons, au niveau du gouvernement, de l'administration publique, au niveau des entreprises, au niveau des populations en général, à tous les niveaux, nous avons besoin de leaders. Et il est clair que le leader suprême, qui est le chef de l'État, est celui qui est important pour le pays, pour justement la politique extérieure. Je me rappelle que notre premier président, Aristide Pereira, qui est le continuateur d'Amílcar Cabral, qui a été pratiquement celui qui a fait, disons, diriger toutes ces négociations dont j'ai parlé au début pour l'Afrique australe, a reçu l'ambassadeur des États-Unis, après que tout soit signé et terminé, qui est venu dire, bon, le président des États-Unis m'a demandé de vous dire qu'est-ce que vous voulez pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. Bon, c'est très simple. Moi, premièrement, j'ai déjà cela, j'ai la satisfaction d'avoir participé à la libération de tout mon continent. Deuxièmement, parce que continuer à supporter mon pays, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, un leadership qui est engagé par rapport aux populations. Ça, c'est important. Et le Cap Vert, si nous avons réussi justement à nous développer en ces 46 ans d'indépendance avec des résultats assez appréciables, c'est à cause des grands leaders que nous avons eus, comme le président Aristide Pereira, le président Pedro Pires, qui ont été essentiels, disons, pour donner à toute la nation la direction dans laquelle nous devons aller. Cette capacité aussi de connaître, de relever
en même temps les défis engendrés par les changements qui se produisent dans le monde, mais à ceux qui se produisent au point de vue interne. Nous sommes dans un monde en évolution où les relations changent de façon constante, mais aussi nous sommes dans un pays qui évolue et nous devons être capables d'écouter aussi ce qui se passe dans nos pays. Dans nos pays, il nous faut voir que les solutions que nous avons apportées aujourd'hui peuvent se traduire par des problèmes de demain. Donc, il nous faut aussi être capable d'accompagner l'évolution de nos sociétés. Aujourd'hui, au Cap-Vert, j'ai une société éduquée qui a un certain niveau d'éducation, qui a des perspectives pour eux totalement différentes de ce que c'était dans notre génération. Notre génération, on était préoccupés à construire l'État, à développer le pays. Aujourd'hui, disons, on a une autre génération qui fait face à un autre problème très, très important, qui est le nouveau qu'on appelle le colonialisme digital, par exemple, où on s'aperçoit que dans notre vie de tous les jours, il y a des grandes entreprises multinationales qui nous orientent à ce que nous devons manger, à ce que nous devons faire, à ce que nous devons penser. Pas la peine de développer cela, tout le monde le sait, mais il y a réellement un autre défi totalement du défi que ce que nos populations ont connu à l'époque de nos indépendances, disons, qui était se libérer, construire un État. Aujourd'hui, donc, nous devons combattre un ennemi qu'on ne connaît pas, qui est virtuel, qu'on ne peut pas dire c'est celui-là. Avant, on connaissait, c'est le Portugais, on va aller là où ils ont les militaires, on va les chasser. Là, on ne sait pas où ils sont réellement. Ça veut dire que notre nouvelle génération a un défi totalement différent. Et nos diplomates doivent être différents. Ils doivent être capables de pouvoir dominer le monde digital, le monde de l'économie digitale. Je ne dis pas que tout le monde doit être des spécialistes, mais il y a le minimum que l'on doit faire pour savoir comment fonctionne Facebook, Instagram et tout ça, mais aussi comment pouvoir utiliser en même temps, disons, ces instruments importants pour avoir les informations dont nous avons besoin pour pouvoir nous développer. Nous devons, ces diplomates, sortir du piège qu'il y a actuellement de chercher, de focaliser notre action sur l'assistance plutôt que les opportunités économiques. Avant, justement, notre focus, on voulait évidemment, s'il fallait de l'assistance, on a cherché à dépasser les problèmes que nous pose l'assistance. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin de développer ses opportunités économiques qui existent. Le Premier ministre Kouyaté en a parlé tout à l'heure au niveau de la Guinée avec les transformations de nos matières premières. Mais il y a justement, les connaissances sont universelles aujourd'hui. Et nous avons des compétences africaines capables de le faire. Mais il faut qu'on y croie. Parce que très souvent, on préfère avoir affaire, disons, à ces multinationales qui nous donnent toutes, normalement, bon, avec l'argent dont ils disposent, de pouvoir répondre rapidement à nos besoins. Je prendrai le cas ici au Cap-Vert où je cherche à développer, parce que je me suis engagé dans ma retraite à voir un des aspects essentiels pour le futur de l'Afrique, qui est gagner la bataille du digital, disons, en Afrique, développer une plateforme qui permettrait, parce que le Cap-Vert s'est développé sur la base du tourisme, à voir comment je peux utiliser justement les plateformes digitales pour pouvoir le faire et utiliser et gagner du moins les plus-values que Airbnb, Booking.com font. Je veux dire que c'est extrêmement difficile d'amener nos dirigeants à comprendre que nous sommes capables de le faire. Et ça, c'est ici au Cap-Vert, mais c'est partout pareil. Nous avons beaucoup d'entreprises qui sont du digital, capables de faire des merveilles, mais dont les chefs d'État ou les gouvernements en général n'y croient pas. Donc, en même temps, si nos diplomates peuvent aussi utiliser, disons, l'instrument
du digital. Je crois que c'est un élément extrêmement important pour pouvoir répondre au grand défi que nous avons, qui est de profiter des opportunités économiques existantes dans le monde pour la promotion des intérêts économiques de nos pays. Disons. Et pour ça, je insiste sur le fait que le diplomate doit connaître son pays. Et c'est sur cette là, je vous laisse. J'espère avoir amené, en parlant du Cap-Vert indirectement, dire ce que je pense doivent faire nos jeunes diplomates africains. Merci. Merci, monsieur le ministre Brito, pour cette intervention basée sur une expérience vécue, riche, très importante, qui a permis non seulement de libérer le Cap-Vert et de le mettre sur le cap de développement en insistant sur les priorités nationales, sur ce qu'un pays veut. Voilà la vision diplomatique des pays. Voilà la vision diplomatique des diplomates. Voilà la vision diplomatique qui devait guider notre jeunesse et surtout notre diplomatie actuelle. C'est-à-dire sortir du piège de se focaliser sur l'assistance, comme vous l'avez dit, pour aller plutôt vers les opportunités de développement, mais avec une vision partagée, claire, nette, épousée par tout le monde, c'est-à-dire toutes les populations, toutes les administrations, mais avoir aussi des diplomates, si j'ose dire, capables d'être stratèges, avec un agenda national, avec un leadership, avec un accompagnement de l'évolution de la société. Juste un petit témoignage. En 2012, j'étais au Cap-Vert. Je vous remercie du travail que vous avez fait. Ça, c'est un témoignage. J'y étais pour non seulement une conférence sur la gouvernance, sur les questions de gouvernance. Et première chose que je partageais ici avec la diaspora africaine, qui pensait, quand je parlais du Cap-Vert en 2012, ils croyaient que je parlais d'un pays qui ne vit pas sur Terre, que je parlais d'un pays qui est haussière. Je disais premièrement, la conférence a été validée par l'ancien président, effectivement, Pedro Pires, qui l'accompagnait, qui l'avait non seulement, patronné, état président de la République, qui a fini son mandat, et le nouveau président était venu il y avait 6 mois. Et les deux présidents étaient à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de cette conférence. Et comme j'étais au premier rang, quand j'ai vu le président de la République, à l'époque, entrer dans la salle, avec un officier de sécurité, j'ai pas vu d'autres personnes. Je croyais que c'est peut-être le président de l'Assemblée nationale ou une autre personnalité qui entre. Mais c'était le président de la République. C'est-à-dire qu'il entre dans la salle avec une seule personne. Ça, c'était ma première impression. Les deux présidents côte à côte, l'ancien et le nouveau, qui ouvrent une conférence que l'un a parrainé avant de quitter. Et j'avais aussi apprécié le discours du président actuel qui va aussi finir son mandat dans quelques jours. Il disait, mais je ne sais pas si je peux parler de majorité ou d'opposition ici, parce qu'il y a 6 mois, la majorité parlementaire ici, le Parlement qui nous accueille, ils étaient au pouvoir. Et maintenant, il y a six mois, ils avaient gagné des élections législatives. Maintenant, je suis président de la République. Est-ce qu'ils sont de l'opposition? Ils sont de la majorité? Ils sont où? Parce que chacun est dans son rôle. Je suis président de la République et ils sont dans leur rôle, ils sont la majorité parlementaire, ce qui veut dire qu'ils ont un gouvernement en place. C'était la deuxième leçon à recevoir dans cette salle, effectivement, du peuple capverdien. Troisième, c'est que j'étais dans un hôtel, comme apparemment à l'époque, le palais présidentiel était à rénovation. Le président restait chez lui. Donc j'étais dans un hôtel à côté de chez lui.
On passait au matin, ils prenaient le petit déjeuner. On passait au soir, on n'a jamais vu ni un militaire, ni un policier garder sa maison. Et en plus, il était au premier étage, je crois que vous savez où il habite. Et en bas, au premier étage, il y avait le magasin où on va tous les éléments alimentaires, tous les produits alimentaires. Donc les gens y allaient, en bas de chez lui, et à 9h, on passait là, on lui faisait coucou, en train de prendre son petit déjeuner sur sa terrasse, avec les gens qui sont en bas de chez lui, enfin, c'est-à-dire sous sa terrasse, en train d'acheter les choses. Et ça, c'est aussi quelque chose d'autre que j'ai admiré, que je parlais aux gens parce que j'étais émerveillé de cela. La dernière, parce qu'il y avait beaucoup de choses, c'est qu'au Cap Vert, il n'y a pas de feu rouge, mais on donne la priorité aux piétons. Et comme nous qui venaient en Occident, ou en des autres qui venaient d'Afrique ne pouvaient pas le savoir, c'est-à-dire que c'est le conducteur qui s'arrête. Comme il s'arrêtait, nous on attendait de voir, il ne klaxonnait jamais, c'est lui qui disait, mais je vous attaque, vous traversez. Ça, cette discipline, on ne le voit pas nulle part ailleurs dans le monde. En tout cas, pour moi, je ne l'ai pas encore vu. Que tous les conducteurs s'arrêtent pour faire passer un piéton partout, dans toute la ville, à Praia, dans toute la ville, alors qu'il n'y a pas ni feu rouge, ni le passage piéton. Je vous remercie, cette action que vous avez faite dès le début, que vous avez conduite avec un leadership noble, avec une vision claire qui fait la fierté de votre pays, mais aussi de votre pays en Afrique, et que vous avez fait bénéficier à d'autres pays, effectivement africains, avec la libération d'Afrique du Sud et d'un fardeau qui minait l'Afrique et le monde qui était abject, qui est l'apartheid. Merci, monsieur le ministre, merci à vos compagnons, merci pour partager cette espérance, mais cette vision, cette clarité, ces priorités nobles avec la jeunesse, je vous remercie. Professeur Harakat, à vous retour. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour la modération d'excellence que vous menez ces forums intéressants. Et à cet égard, je remercie Monsieur le ministre José Brito pour son excellence communication. De même, je remercie Monsieur le directeur du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, le forum qui traite la diplomatie et la diplomatie de la nouvelle génération des jeunes diplomates, ça c'est important. Et c'est pour cela ma communication, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis. Je voudrais d'abord, comme je l'ai dit, vous féliciter pour le choix des thèmes et des sujets. Ma communication va être focalisée sur trois éléments. D'abord, le premier élément, c'est de démontrer l'intérêt. Nous sommes au début du forum et on est obligé, comme l'a fait M. José Brito, on est en train d'organiser le cadre général de la diplomatie économique. D'abord, je traiterai l'intérêt dans un premier point, l'intérêt et les vertus de la diplomatie économique, c'est-à-dire pourquoi nous sommes ici et maintenant parler de la diplomatie économique. Voilà donc mon premier point. Deuxième, je vais essayer de traiter le contexte mondial. Pourquoi cette dynamique, comme l'a dit Monsieur le ministre, cette dynamique de relations internationales, du système productif mondial. Et enfin, je rejoins également le discours et en même temps la conférence de Monsieur le ministre pour traiter les conditions de l'amélioration des capacités des jeunes diplomates. Donc, je commence par le premier point. Quel est l'intérêt de l'étude de la diplomatie économique sur le plan pédagogique, scientifique et professionnel? D'abord, ce forum vient à juste nommer parce que maintenant, il y a moins de cours, moins de séminaires de formation dans les instituts de diplomatie, il faut le dire, parce que la diplomatie s'attache toujours à une diplomatie traditionnelle.
Et il y a l'intérêt pédagogique, parce qu'il faut d'abord montrer l'intérêt de cette diplomatie et ce qu'il sert à quoi, c'est-à-dire son intérêt. J'ai dit qu'il y a moins de cours, moins de formation dans les instituts africains, et on traite toujours la diplomatie selon une optique traditionnelle. Et à ma connaissance, la diplomatie n'est que économique, ne peut être économique par excellence. C'est-à-dire qu'il y a d'autres aspects, c'est vrai, mais la dimension économique dans le corpus théorique et pratique de la diplomatie ne peut être qu'économique. Deuxième intérêt, il est scientifique. Il est scientifique parce que la diplomatie économique, elle a besoin d'une doctrine africaine, d'approche et d'études. Il y a moins de travaux sur la diplomatie économique en Afrique. Et pour avoir cette vision, il faut avoir une doctrine. Il faut avoir un savoir, une connaissance, des corpus théoriques, un débat universitaire. Et en même temps, de l'écoute. C'est-à-dire que les administrations doivent communiquer avec l'université africaine, avec les cadres, les chercheurs, les think tanks, les jeunes chercheurs aussi. Hein. Il faut qu'il existe une dynamique d'échange, de partage des idées. Voilà donc la dimension scientifique. Troisième dimension, troisième vertu, c'est la vertu professionnelle. C'est-à-dire qu'on est à côté des diplomates chevronnés qui ont des responsabilités diplomatiques à l'échelon continental ou bien à l'échelon mondial. Donc, ils ont besoin d'un corpus, comme j'ai dit. Et cette formation, cette pratique professionnelle, il a besoin toujours, ici et là, d'une approche théorique. On ne peut pas faire une rupture entre la pratique et le théorique. C'est-à-dire qu'il existe un enrichissement permanent entre la pratique diplomatique et l'approche théorique. D'où l'importance d'une certaine ouverture des universités, des ministères des Affaires étrangères et de la coopération aux travaux de recherche et en même temps aux approches d'analyse des Africains. Ça, c'est important. L'université également doit repenser ses cours, ses approches. Et d'ailleurs, je remercie les directeurs des laboratoires de recherche parce que ils traitent les actions diplomatiques. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, dans tous les pays de l'Afrique, on a besoin de nouvelles approches, de nouvelles études, de nouvelles méthodes pour traiter cette question de problématique de la diplomatie économique. Voilà, madame, monsieur, mon premier point. Deuxième point, il s'agit de voir ce contexte international. D'ailleurs, monsieur le ministre, il a parlé de la connaissance du pays. Moi, je vois également qu'il faut connaître le contexte mondial. C'est un contexte qui est marqué par une crise, la COVID-19, et ses effets, ses impacts socio-économiques, au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique et au niveau sur les individus, ses impacts sur les individus africains. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, mon cher collègue directeur de laboratoire, il a parlé de la résilience. Ça, c'est important. Et il est question de repenser l'économie politique de la diplomatie économique pour voir comment il fonctionne, son coût, ses avantages, ses vertus. Hein. Surtout qu'on est dans le cadre de l'agenda 2063 et 2030 pour les Nations Unies. Et le diplomate doit assimiler ces agendas parce que on est dans le cadre d'une évolution internationale et il y a la connaissance de ces agendas pour parler de convergence des politiques diplomatiques africaines en fonction des agendas, soit des agendas d'ordre national ou continental et international. C'est important. J'ai parlé de la crise et de la COVID-19 parce que l'impact de la crise, il était important et surtout que maintenant, il y a à peu près 40 millions d'Africains qui sont maintenant classés dans la grille de la pauvreté. C'est-à-dire le coût de la crise, il est de taille. Et le diplomate africain doit prendre en considération ça, c'est-à-dire la connaissance continentale, locale et en même temps internationale. De même, je souligne également les instances de la gouvernance mondiale, les Nations Unies, la fragilité du système
des instances internationales en termes de fonctionnement, de représentativité de l'Afrique à l'échelle mondiale, parce qu'on a besoin de renforcer et de revoir la voix de l'Afrique à l'échelle mondiale et continentale. Il faut ajouter également, parce qu'on est dans le cadre de la résilience, de parler également comment dirais-je, du modèle libéral, parce que maintenant, il y a le modèle libéral qui est en crise, qui souffre d'énormément de problèmes. Et l'Afrique, elle a besoin de revoir, de repenser son modèle de développement. Surtout qu'il y a énormément de projets, de nouveaux projets, tels que la route de la soie, les mutations à l'échelle mondiale. Maintenant, l'Occident, il est en train de réaliser une certaine alliance entre les grandes forces. L'Amérique, il est en train de faire des alliances entre les anciens alliés. La première visite en Amérique, c'était programmé pour le président de la Corée du Sud, le Japon, puis des visites de l'Allemagne et l'OTAN, c'est-à-dire des forums et des rencontres avec les pays de l'OTAN. Et l'Allemagne, les visites ont été... Pourquoi? Parce que maintenant, l'Occident, il est en train de revoir sa stratégie géopolitique pour confronter la Chine. Et d'ailleurs, la Chine constitue une alternative pour certains pays de modèle de développement à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, le diplomate, le jeune diplomate, il est appelé à lire et en même temps à découvrir et repérer ces mutations au sein du système productif et en même temps du système de géopolitique international. J'ajoute également cette émergence de nouvelles puissances économique, bien sûr, la Chine. L'Inde, maintenant, il a énormément de problèmes au niveau des impacts de COVID-19, mais il est classé par les BRICS à l'égard de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l'Afrique du Sud. Quel est maintenant l'impact de COVID-19 sur ce classement international de ces grandes puissances? J'ajoute également, une autre mutation toujours dans le cadre de ma deuxième point d'analyse dans le cadre de cette conférence, c'est la révolution technologique et ce qu'on appelle la quatrième révolution technologique et technique des GAFAM, Google, Apple, Facebook et je passe. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une certaine hégémonie occidentales, ces groupes, ces grandes plateformes sont contrôlées par l'Occident parce qu'ils ont une capacité d'influence et en même temps un chiffre d'affaires important à l'échelle mondiale. Et puis maintenant, on parle de la responsabilité de l'État pour trouver une place de l'Afrique à l'échelle mondiale, pour exploiter les nouvelles technologies d'information et de communication, et en même temps d'assurer une certaine maîtrise des risques auxquels sortent la géoéconomie et la géopolitique, et en même temps la diplomatie économique, surtout avec les câbles sous-marins. Maintenant, les câbles sous-marins passent par l'Afrique, et tout le système informatique des GAFAM et de l'Afrique aussi doit assurer un certain contrôle interne des systèmes de communication et d'information. D'où l'importance, bien sûr, de la promotion de la recherche et en même temps de débats sur ces grands problèmes, ces grandes questions. Et c'est pour cela, comme l'a dit M. le ministre José Brito, il ne faut pas sous-estimer également les paradoxes de la gouvernance africaine, les paradoxes de la gouvernance africaine, c'est-à-dire la connaissance du continent, la connaissance des grands enjeux, des grands problèmes. Et avec 1,3 milliard d'habitants avec une zone de libre-échange, ZELECA. Donc, on est appelé à développer des recherches, des forums de débat, surtout maintenant qu'il y a ce marché qui est important et qui mérite pour nous, les chercheurs, les intellectuels et en même temps les diplomates, de réfléchir sur ce marché, ce projet de marché et ce qu'il peut assurer au niveau, et de garantir au niveau géopolitique, géoéconomique et surtout au niveau de la maîtrise de l'information et la cybermenace informatique.
Il ne faut pas oublier que cette évolution de l'Afrique dans le cadre de cette mutation mérite de prendre également en considération l'industrialisation de l'Afrique. Parce que tout le monde parle de la diplomatie économique et on ne doit pas sous-estimer également le développement continental, l'industrie, l'industrialisation de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas maîtriser le système d'information et de communication sans passer par l'industrialisation. Et l'industrialisation qui peut créer de l'emploi, qui peut lutter contre l'information, lutter contre la pauvreté, avec les 700 millions d'habitants africains qui n'ont pas l'eau et l'électricité. D'ailleurs, 60% des villages et des habitants africains, surtout dans le monde rural, 60% de ces zones-là n'ont pas l'électricité. Ils ne sont pas branchés au service de l'électricité. Et qui dit manque de branchement électrique et de l'eau dit marginalisation de la population. Ça, c'est important. Une autre dimension qui mérite, à mon sens, d'être appréhendée par les diplomates de demain et d'aujourd'hui, c'est qu'il réside dans l'émergence des nouveaux biens économiques communs planétaires. Je cite la santé, doit être prise en considération, il devient un bien planétaire, l'environnement, l'eau, l'agriculture. J'ai parlé déjà des techniques d'information et de communication, l'alimentation, la sécurité alimentaire pour l'Afrique, de même la gouvernance de l'État en Afrique devient un bien qui mérite, un bien public qui mérite un intérêt particulier. C'est grâce à la gouvernance qu'on peut développer la diplomatie économique, d'où l'importance de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'État. L'État africain, il est responsable de l'émergence d'un nouveau paradigme de diplomatie économique, de proactive, dynamique, basée sur le savoir, le partage, comme l'a dit Monsieur Dr Paul, au niveau du partage, au niveau de l'émergence d'une vision, d'une nouvelle vision. Et surtout que les vertus maintenant des marchés concurrentiels, ils sont considérables, parce que il faut assurer un marché concurrentiel pour augmenter le niveau de vie de la population. Surtout qu'en 2005, la population mondiale considérait que le marché est le meilleur moyen pour construire l'avenir. Et bien sûr, maintenant, il y a tout un débat sur le marché. Quel marché? Est-ce que c'est un marché monopolistique ou un marché de concurrence? Et d'ailleurs, je parle de la responsabilité de l'État, parce que l'État doit d'abord assurer la concurrence, concurrence politique, concurrence économique, concurrence des idées, et surtout de lutter contre le monopole. Le monopole dont l'État doit donner l'exemple en Afrique dans l'élaboration des politiques publiques, par l'adoption de politiques publiques ouvertes, dynamiques, qui seront au service de la population. Je termine ma communication par les conditions de l'émergence d'une diplomatie économique en Afrique, une diplomatie basée sur des idées et des pistes de progrès. D'abord, il faut développer une vision stratégique, géopolitique et géoéconomique de progrès en Afrique. Donc voilà donc le premier élément. C'est-à-dire, il faut évaluer les forces et les faiblesses de la diplomatie économique africaine en termes de force, de faiblesse, et de renforcer les faiblesses, et de renforcer les forces et de gommer les faiblesses, d'anéantir les faiblesses pour chercher une place à l'échiquier international, géopolitique international. Deuxième élément, c'est l'organisation. Il s'agit de développer une vision une organisation diplomatique au service du développement humain et au développement de la population. C'est-à-dire une diplomatie sans impact économique, sans lutte contre la pauvreté et le partage, le partenariat gagnant-gagnant, ça devient un luxe. C'est dans l'absence de ces objectifs de changement institutionnel et stratégique, une diplomatie économique devient un luxe coûteux,
pour l'Afrique. Troisième élément, et bien sûr, on ne peut pas parler d'une organisation sans une communication. C'est-à-dire que la diplomatie économique doit être basée sur la communication et l'utilisation d'une nouvelle technique d'information et de communication, d'être engagée, une diplomatie qui peut négocier les grands projets de développement, de voir très loin, de connaître bien sûr l'économie nationale et l'environnement international. Troisième élément, il s'agit pour repenser notre diplomatie africaine pour une nouvelle génération de diplomates et les jeunes diplomates, cette diplomatie doit favoriser la compétence et le mérite. C'est-à-dire, c'est le meilleur diplomate qui gagne, c'est le meilleur diplomate qui devrait être responsable d'un poste diplomatique, de consul ou bien de diplomate, d'ambassadeur. C'est important d'avoir une formation, un profil et d'être compétent. La maîtrise des langues, il est importante parce qu'on ne peut pas nommer un diplomate sans avoir une formation anglophone, francophone ou au moins trois langues, de maîtrise des trois langues. Troisième, d'ailleurs, il s'agit de développer bien sûr une diplomatie de projet, une diplomatie d'idées, et d'où l'importance de l'ouverture sur les think tanks, l'université, etc. Et d'ailleurs, ça c'est important, la diplomatie doit être basée sur l'innovation. C'est-à-dire, s'il ne développe pas l'innovation, c'est une diplomatie qui doit développer des projets et en même temps de voir des projets de développement pour l'Afrique. Excusez-moi, j'ajoute un élément important également qui concerne toujours cette diplomatie, c'est d'évaluer les risques. Les risques, lorsqu'un pays est en contact avec un autre, ou soit sur le plan bilatéral ou bien sur le plan multilatéral, le diplomate doit être un connaisseur des risques auxquels sortent la coopération ou les projets de développement. Et j'ajoute également que la diplomatie économique africaine doit avoir un paradigme continental, c'est-à-dire d'avoir une vision commune, d'avoir une doctrine pour négocier les grands projets. Maintenant, l'Afrique constitue un continent d'avenir. Il est riche d'opportunités financières, économiques, naturelles, beaucoup de... Et l'Occident, les autres pays, ils ont besoin d'opérer, d'avoir des projets communs, et c'est pour cela que le diplomate doit défendre l'intérêt national et continental et ne pas négocier d'une manière unilatérale mais d'une manière partagée et d'avoir une vision. Et c'est pour cela qu'il faut renforcer les capacités des acteurs, parce que lorsqu'on renforce, on renforce d'abord les capacités des acteurs par la formation, par les études diplomatiques, par les études géoéconomiques et en même temps par la compréhension des modèles étrangers. Parce qu'à l'échelle mondiale, il y a maintenant des modèles. Et le diplomate doit développer des modèles, connaître les modèles d'ailleurs. Il y a le modèle chinois, il est important à découvrir le modèle chinois, à découvrir le modèle européen, de l'Union européenne, le modèle de l'Inde. Et puis, il y a d'autres modèles, l'Amérique, le modèle allemand, russe. Et à cet égard, d'ailleurs, Paul, il connaît que j'ai travaillé sur un ouvrage. Je voudrais montrer un livre que j'ai écrit dernièrement à l'Armatan à Paris et qui traite les paradigmes, les modèles et les paradigmes. Et je voudrais recommander ce livre pour les jeunes diplomates qui veulent bien sûr découvrir les approches
sur le plan histoire. D'ailleurs, Monsieur le ministre, il a parlé de l'histoire et le Premier ministre, il a parlé d'humiliation. Et d'ailleurs, j'ai parlé de l'expérience, des expériences occidentales de la diplomatie économique. Parce que la diplomatie économique, elle a toute une histoire de 5 ou 6 siècles et il a évolué. Il est parti. Au début, c'était. Certains auteurs parlaient de ce qu'on appelle les canons. C'est-à-dire qu'il était formé sur la voix des canons, le son des canons. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la répétition, la guerre, il y a toute une histoire. Et cette histoire mérite d'être découverte par les jeunes diplomates, parce qu'on ne peut pas opérer d'une manière rationnelle et scientifique la pratique diplomatique sans une connaissance théorique et pratique au service du développement de notre continent. Et voilà, et je vous remercie, Monsieur le Président. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, professeur Arakat, pour cette intervention très concise et très stratégique, mais aussi très pragmatique en termes de vision, de doctrine et surtout de cap. Je rappelle que le professeur Arakat est un champion des champions de la diplomatie économique, non seulement par ses enseignements, ses conférences scientifiques de haut niveau, ses écrits comme un des bouquins qu'il vient de montrer, mais aussi qui a été précédé par les paradoxes africains, si j'ose dire. Je résume le titre qui est très parlant de lui-même. Et il montre l'importance de la diplomatie économique par rapport à la diplomatie traditionnelle pour sortir l'Afrique du sous-développement, mais aussi de la pauvreté chronique. C'est-à-dire que les diplomates doivent avoir une vision géostratégique, une organisation diplomatique très pointue pour négocier les grands projets de développement avec bien sûr des meilleurs diplomates extrêmement compétents, formés et outillés à regarder de gauche à droite les pièges des contrats. C'est ce que nous avons appelé la fois passée la diplomatie scientifique, mais aussi le professeur Arakat, dans ses écrits, dans ses engagements, dans sa philosophie, il fait la promotion de la diplomatie de projet, la diplomatie d'idées, la diplomatie d'innovation, la diplomatie d'évaluation des risques avec une vision continentale basée sur effectivement la vision claire et nette de ce qu'on veut, des besoins, la doctrine qui accompagne cette vision, mais aussi le cap donné par les politiques. Merci Arakat pour son travail, cette intervention, et surtout, je pense que nos jeunes diplomates qui vont assumer bientôt le rôle de moteur de la diplomatie africaine ont acquis quelques outils à mettre en place, mais aussi quelques stratégies à faire valoir pour mieux représenter le continent qui est absent malheureusement actuellement sur la scène internationale. Nous attendons quelques questions de la salle en attendant que le président Lagrange soit disponible.